Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser le papillon ajouré. Le motif se fait avec 31 mailles sur 30 rangs. J'ai préparé ici les 31 mailles qu'on va voir comment les tricoter tout au long de la vidéo. Le rang 1, on commence avec 2 mailles en droit. Ensuite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, on va faire 2 jetés. Donc, on tourne une fois et on tourne une deuxième fois pour 2 jetés. Un surjet, c'est-à-dire qu'on glisse la première maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille de derrière qu'on avait glissée auparavant pour le surjet. Ensuite, 19 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Deux jetés, une, deux, un surjet, et les deux dernières mailles à l'endroit. Le rang 2, 4 mailles en vert. Ici, vous voyez, on prend un jeté, on doit garder l'autre fil sur l'aiguille de gauche, sinon on n'aura pas nos deux jetés. On ramène le fil derrière et on tricote le deuxième jeté, une maille en droit. On ramène le fil devant pour 21 mailles en vert. Ici, la même chose, on arrive aux deux jetés du rang précédent. On tricote le premier fil à l'endroit. On ramène le fil devant et 4 mailles en vert. Le rang 3, 5 mailles en droit. Vous voyez le trou ici, c'est le bas de notre papillon. C'est le résultat de nos deux jetés. Ensuite, un jeté, un surjet. Dix-sept mailles en droit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté et on termine avec 5 mailles en droit. Le rang 4, on tricote simplement toutes les 31 mailles à l'envers. Le rang 5, 6 mailles en droit.
un jeté, ensuite un surjet, quinze mailles en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et on termine avec les six mailles à l'endroit. Le rang 6, 7 mailles envers, 1 jeté, on tourne autour de notre aiguille, 2 mailles ensemble à l'envers, suivi de 13 mailles envers, 13. Maintenant, on veut faire un surjet envers. Pour suivre la ligne de l'autre côté, vous voyez ici, ça s'incline vers la gauche. Alors, on veut continuer notre ligne, mais avec notre rang envers. Alors, je vais vous montrer comment faire un surjet lorsqu'on est à l'envers du tricot. On va le faire souvent, donc on va vraiment le voir au ralenti. C'est quelques étapes, mais c'est la façon de faire. On tricote la première maille à l'envers. La maille suivante, on va la prendre à l'endroit sans la tricoter et on la glisse sur l'aiguille de droite. Avec l'aiguille de gauche, on prend les deux mailles par-dessous et on les ramène sur l'aiguille de gauche. Avec l'aiguille de droite, on prend la maille de derrière et on rabat. Et on remet notre maille sur l'aiguille de droite. C'est une question d'habitude, là. Ça peut sembler compliqué, mais si on veut faire notre surjet, voyez ici, de l'autre côté, on voit ici là que ça continue notre ligne. Alors, il va y en avoir quelques-uns là, comme ça à faire tout au long du tricot. Alors, après le surjet, on fait un jeté et on termine avec 7 mailles envers. Le rang numéro 7. On commence avec 5 mailles en droit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Une maille en droit. Un jeté. Un surjet. Ensuite, 11 mailles en droit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Une maille en droit. Un jeté, un surjet et on termine avec 5 mailles en droit.
le rang 8, 4 mailles envers. Ici, ensuite, on va faire notre fameux surjet à l'envers. Je vais le refaire lentement avec vous. Donc, pour le surjet, on tricote la première maille à l'envers. On glisse la maille suivante à l'endroit sur l'aiguille de droite. C'est pour replacer la maille du bon côté qu'on glisse. Ensuite, on prend les deux mailles par-dessous pour les mettre sur l'aiguille de gauche. Avec l'aiguille de droite, on rabat la maille de derrière et on remet notre maille sur l'aiguille de droite. Après le surjet, un jeté, trois mailles envers, un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, 9 mailles envers, 1 surjet envers, 1 jeté, 3 mailles envers, 1 jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, et on termine avec 4 mailles envers. Le rang 9, 3 mailles en droit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 5 mailles en droit. 1 jeté, 1 surjet, 3 mailles en droit, 1 jeté, 1 surjet, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté, 5 mailles en droit, 1 jeté, ensuite, un surjet. Et on termine avec les trois dernières mailles à l'endroit. Le rang numéro 10, on tricote les 31 mailles à l'envers. Le rang 11, on commence avec 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 jeté, 1 maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit,
Et ici, on va faire aussi deux jetés. Une, deux. Un surjet. Deux mailles en droit. Un jeté, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille en droit, un jeté, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, deux jetés, une, deux, un surjet, une maille en droit, un jeté, un surjet, et on termine avec deux mailles en droit. Le rang 12, 7 mailles en vert, 5, 6, la septième, on prend un jeté, mais on garde l'autre sur l'aiguille de gauche et on le tricote à l'endroit. On ramène le fil devant pour 15 mailles en vert. On arrive à nos deux jetés. Le premier fil, on tricote une maille en droit. On garde le fil sur l'aiguille de gauche. Et on termine avec 7 mailles en vert. Le rang 13, une maille en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles en droit, un jeté, un surjet, deux mailles en droit, un jeté, un surjet, un jeté. Maintenant, on veut tricoter ici trois mailles ensemble centrées. C'est qu'on veut que la maille du milieu ici reste centrée et non pas inclinée là, vers la droite ou la gauche. Alors, pour faire nos trois mailles ensemble centrées, on prend les deux premières mailles ici. Je vais tirer un petit peu. Les deux premières mailles, on les glisse sur l'aiguille de droite à l'endroit sans les tricoter. Et on tricote la maille suivante à l'endroit et on reprend les deux mailles sur l'aiguille de droite qu'on avait glissée
derrière et avec les deux brins, on rabat la maille. Alors, ça nous fait une belle maille centrée. Ensuite, un jeté. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Deux mailles endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Deux mailles endroit. Un jeté. Un surjet. Une maille endroit. Un jeté. Un surjet. Et la dernière maille à l'endroit. Le rang 14, on fait toutes les mailles à l'envers. Le rang 15, 3 mailles endroit. Un jeté, un surjet, neuf mailles endroit, un jeté. Maintenant, trois mailles ensemble centrées, comme on a fait précédemment. On glisse les deux premières mailles sur l'aiguille de droite. On tricote à l'endroit la maille suivante et on rabat les deux mailles glissées. Un jeté. Neuf mailles en droit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté et trois mailles endroit. Alors là, je suis allée bloquer le tricot parce que je veux ça tourner en bas et je voulais vous montrer où on est rendu là après le rang 15. Le rang 16, 4 mailles envers. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'envers. 19 mailles envers. 1 surjet envers, donc on tricote la première maille à l'envers, on glisse la maille suivante à l'endroit sur l'aiguille de droite, on prend nos deux mailles pour les mettre sur l'aiguille de gauche, on rabat. Et on ramène notre maille sur l'aiguille de droite. Un jeté et on termine le rang avec 4 mailles envers. Le rang 17, 2 mailles endroit.
deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, trois mailles en droit, un jeté, un surjet, cinq mailles en droit, un jeté, trois mailles ensemble centrées, un jeté, cinq mailles en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, trois mailles en droit, un jeté, un surjet, et on termine avec deux mailles en droit. Le rang 18, on tricote les 31 mailles à l'envers. Le rang 19, une maille en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté, une maille en droit, un jeté, un surjet, quatre mailles en droit, un jeté, trois mailles ensemble centrées, un jeté, quatre mailles en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille en droit, un jeté, un surjet, deux mailles en droit, un jeté, un surjet, et on termine avec une maille en droit. Le rang numéro 20, toutes les mailles à l'envers. Le rang 21, deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, deux mailles en droit. Deux mailles ensemble, un jeté, trois mailles en droit, un jeté, un surjet, une maille en droit, deux mailles ensemble, un jeté, trois mailles en droit, un jeté, un surjet, une maille en droit, deux mailles ensemble, un jeté, trois mailles en droit,
un jeté, un surjet, deux mailles en trois, un jeté et on termine le rang avec un surjet. Le rang 22, on tricote les 31 mailles à l'envers. Le rang 23, 2 mailles en 3, un jeté, un surjet, deux mailles en trois, un jeté. Maintenant, on va tricoter trois mailles ensemble, torse. Alors, je vais prendre les trois mailles sur mon aiguille et il faut aller tricoter les brins de derrière, comme ceci. Ensuite, un jeté, deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille en droit, un jeté, trois mailles ensemble centrées, un jeté, une maille en trois, un jeté, un surjet, deux mailles en trois, un jeté, trois mailles ensemble, cette fois-ci de façon régulière en prenant par devant, trois mailles ensemble en trois, un jeté, deux mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté et on termine avec deux mailles en trois. Le rang 24, on tricote toutes les mailles à l'envers. Le rang 25, 3 mailles en 3, un jeté, un surjet, 2 mailles en 3, un jeté, un surjet, 1 maille en 3, deux mailles ensemble, un jeté, sept mailles en trois, un jeté, un surjet, une maille en trois, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles en trois, deux mailles ensemble, un jeté et on termine avec trois mailles en trois.
Le rang 26 a 9 mailles en vert. Un surjet en vert. Un jeté, 9 mailles en vert. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Et on termine le rang avec 9 mailles en vert. Le rang 27, 4 mailles en droit. Un jeté, un surjet, deux mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté, maintenant 11 mailles en droit. Un jeté, un surjet, deux mailles en droit, deux mailles ensemble, un jeté et on termine le rang avec 4 mailles en droit. Le rang 28, 7 mailles en vert. Un surjet en vert. Un jeté, 13 mailles en vert. Un jeté. Deux mailles ensemble à l'envers et on termine avec 7 mailles envers. Le rang 29, 6 mailles en droit.
deux mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 15 mailles en droit. Un jeté, un surjet, et on termine le rang ensuite avec 6 mailles en droit. Le dernier rang, le rang numéro 30, 5 mailles en vert. Un surjet en vert. Un jeté. 17 mailles en vert. Un jeté, deux mailles ensemble à l'envers, et on termine avec 5 mailles envers. Alors voici, on a terminé notre papillon ajouré. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.